Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de VR Découverte. Nous retournons dans l'univers de Beat Saber. Nous allons de nouveau y découper des cubes en rythme et nous amuser, transpirer et faire monter le cardio. On y découvrira deux de mes chansons préférées, une chanson de hard rock et la chanson qui porte le nom du jeu. Et comme à mon habitude, on y jouera en vitesse accélérée. J'espère que ça va vous plaire. Donc vous pouvez le voir, je me suis habillé un tout petit peu plus léger cette fois, parce que franchement, le jeu fait transpirer et je viens déjà d'y jouer pas mal de temps avant de faire la vidéo. Donc toujours en solo, on va jouer donc à la musique de Beat Saber en mode hard sans accélérer la vitesse pour cette première partie. Concentré. Ah, faut se baisser. C'est un jeu où c'est vrai. Il n'est pas évident pour moi de discuter avec vous si je veux essayer de faire un score à peu près correct. Mais ça droit laser. Dans le mur, ça fait toujours son petit effet. Hop. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Je vais pas parier de faire un perfect, c'est là que je vais le rater. On est d'accord. Oh les mines. On se prend pour un torero. Olé ! Ouh ! On se fait tout petit, on bouge pas. Est-ce que c'est un perfect ? Rang B, hein. C'est un perfect, 200 de full combo, mais rang B parce que j'ai pas assez bien fait mes gestes pour être bien perpendiculaire. Ou en tout cas bien dans l'axe de chaque cube à découper selon la flèche. On la retente, donc. À 150%, je suis pas sûr du tout de la passer. Je me suis jamais entraîné sur celle-ci à 150%, mais ça devrait bien m'amuser et j'espère vous aussi. Oh là, ça arrive. Ça. Oh là, mais calme-toi, je calme-toi. Comme dirait un de mes meilleurs amis, laissez-moi tranquille. Bon, j'arrive à suivre, mais vous ne croyez pas une seconde. Hop. Ah, les murs, ça est chaud. N'imaginez pas comment mon cardio est en train de monter en flèche. Ah, j'ai raté le combo, dommage. Je pourrais pas dire que je ne donne pas de ma personne pour vous. Ouh, je l'ai passé. Avec un score de daube, mais je l'ai passé. Ah, j'étais à 3 cubes du perfect. Je suis à la limite d'être démoralisé par le jeu. Ah. Je reprends un peu mon souffle. On va remettre le jeu en mode normal parce que le prochain qui joue, s'il arrive là, ça va lui faire tout drôle dans mes amis. Ah. Et donc on va repasser. On reste en mode hard, hein, sinon je vais vraiment trop facile.
sur un genre de musique que j'aime bien, bien bourrin, qui défoule bien, ça plaira pas à tout le monde, c'est particulier, mais moi j'aime. C'est parti, en mode hard normal. Et là on bûcheronne. Ah, je n'ai plus les cheveux longs, mais une époque je les avais. Et j'aurais pu faire du headbanging en rythme. Ah, la fin, il nous a inversé. En accéléré, il y a quand même quelques murs qui vont m'arriver. Je prévois déjà la partie suivante. En plein visage, ils vont me faire peur. Allez, sort bûcheron. Coupons du bois. Ah non, des cubes. Avec des sabres laser. Qui n'existent pas. Ça en vitesse rapide, j'y arriverai jamais, je le sais. À 150%, je vais rien comprendre. Ah ! J'ai frôlé le perfect combo à un près. Je ne suis qu'en rambé. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de feu d'artifice. J'ai pas battu mon record. Mais je suis pas là pour ça. Allez. 150. 155. La même. Oula. Ouïouïouï. Ça en ferait peur. J'en rate pas mal, hein. Ah, la musique passe encore bien, cette vitesse, elle est encore presque équitable. Hop, hop. Un saut. Ah, si je la finis, je serais content, hein. J'espère vraiment que la caméra qui filme l'IRL arrive à suivre la vitesse des jeux et qu'il n'y a pas de lag. Mes gestes. Ça serait dommage que vous me voyiez au ralenti alors que je vais à la vitesse de la lumière. Waouh! Je pensais pas le passer là, le passage du tout à l'heure. Wouhou! C'est la fête! Petit tour de la victoire! Ah, il faut refaire le tour dans l'autre sens à cause du fil! Waouh! Ah, j'ai du mal à mettre 100% tellement j'ai la main qui tremble. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de chansons, on peut se lancer des défis personnels. Le jeu reste génial. Je reprends mon souffle. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, comme d'habitude, j'ai adoré. J'ai fait travailler mon imaginaire, mes réflexes, ma coordination, œil virtuel, main virtuelle. Il n'y a pas mieux pour s'entraîner pour la VR. Donc, plongez dans Beat Saber. Trouvez le moyen d'y jouer si vous n'avez pas de casque VR ou le matériel nécessaire. Il est disponible sur PC et sur PS4. En sachant que sur PS4, le PSVR est un casque vraiment pas cher pour ses performances. On le trouve même d'occasion pour moins de 200€. Donc allez l'essayer chez les amis ou équipez-vous, mais plongez dans ce jeu, il est vraiment excellent. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte.